Bonjour, Pato. Tiens, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? S'il vous plaît, les enfants, si vous savez ce que c'est, dites-le à Pato. C'est un œuf, Pato. C'est un gros œuf. Oui, c'est exact. Bien sûr, c'est un œuf. Intéressant. Oh, bonjour, Pocoyo. Bonjour. Balle. Une balle. Attention. Non, 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 Pocoyo. Ellie et toi, vous vous trompez. Essaie de comprendre, ce n'est pas une balle. Ce que Pato essaie de vous expliquer, c'est que c'est un œuf. Et très bientôt, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. L'œuf va éclore. Maintenant, vous savez pourquoi Pato tient tellement à cet œuf. Oh, ça y est, c'est le moment. Regardez. Oui, c'est une araignée. Les poussins ne sont pas les seuls à sortir des œufs. La preuve. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des araignées, même des bébés araignées. À cause de toi, bébé araignée, Pato a eu la peur de sa vie. Tu n'as pas de raison d'avoir peur de bébé araignée. J'ai l'impression qu'il t'aime beaucoup. Ah, voilà Ellie et Pocoyo. Coucou! Ah oui, je vois. J'imagine qu'ils ont trop peur de bébé araignée et tant qu'il sera là, ils ne joueront pas avec toi. Bébé araignée, Papa Pato aimerait jouer à un petit jeu avec toi. Il veut que tu comptes tous les cailloux que tu pourras trouver. Et bien maintenant, je pense que tu peux aller jouer avec Ellie et Pocoyo. Oh, bébé araignée a trouvé un caillou. Papa Pato veut que tu continues à compter. S'il vous plaît, les enfants, dites à Pato ce que bébé araignée a envie de faire. Jouer à la balle, jouer. Oui, vous avez raison. Il a envie de jouer. Coucou, bébé oiseau. Non.
Pato veut que tu prennes le crayon et que tu ailles dessiner chez toi, bébé araignée. Qu'est-ce que c'est que ça? S'il vous plaît, les enfants, dites-leur qui a fait ce joli dessin. Je suis sûr que vous le savez. C'est le bébé araignée! Bébé araignée! C'est exact. Oh, qu'il est mignon! Vous voyez, je savais que vous alliez l'adorer. Il fallait juste apprendre à le connaître. Un grand bravo pour Pato, un autre pour notre nouvel ami. Au revoir, à bientôt. Bonjour, Dodo l'oiseau. Oh, pardon. Tu peux te rendormir. Vas-y, je ne te dérange plus. Ah, bonjour, Pocoyo. Bonjour. Ah, tu es venu voir Dodo l'oiseau. Comme c'est gentil de ta part. Malheureusement, j'ai l'impression qu'elle dort, comme d'habitude. Oh, une petite minute. Elle se réveille, on dirait. Oh, ah non. Il se passe autre chose. Regardez les enfants. Oh. Ça alors. Ouf. Il a bien failli se casser. Oh! Pocoyo? Non, 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 ce n'est pas ce que tu crois. Youpi! Oh, merci, Pato. Balle! Oui, je sais, c'est un objet qui ressemble beaucoup à une balle, mais si tu regardes bien, tu verras qu'il n'est pas tout à fait rond. Oh ? Oh, je sais. Pouvez-vous l'aider, les enfants ? Pourriez-vous dire à Pocoyo comment s'appelle cet objet ? Un œuf ! C'est un œuf, Pocoyo ! Œuf ? Œuf ? Un œuf ? Oh. Ouf, j'ai eu peur. Oh. Les œufs se cassent très facilement, Pocoyo. Tu dois faire très attention. Sais-tu ce qu'il y a à l'intérieur de cet œuf et qui ne demande qu'à sortir? Oh, Pato connaît la réponse. Il y a un oisillon à l'intérieur de cet œuf. C'est un petit bébé oiseau. Bébé? Exactement. J'étais loin de me douter que Dodo l'oiseau était en train de couver un œuf. D'ailleurs, la place de cet œuf est là-haut, dans le nid, avec sa maman. Oh là là, tu ferais mieux de l'attraper, Pocoyo. Dodo l'oiseau va être drôlement inquiète de ne pas le voir quand elle se réveillera. Oh, il part vers la droite. Attrape-le, Pocoyo. Et c'est toi aussi, Pato. Attention, il va dans l'autre sens. Vite, dépêchez-vous. Oh, Pato, il est derrière toi. Faites un effort. Bravo, Pocoyo. Et maintenant, il faudrait attirer l'attention de sa maman. Dodo l'oiseau. Dodo l'oiseau. Dodo l'oiseau.
Ah oui. Quand elle dort, rien ne peut la réveiller. C'est incroyable. Il va falloir trouver autre chose. Si vous voulez un conseil, je crois qu'il faudrait trouver un moyen pour aller là-haut. Pato ne peut pas se grandir plus que ça, Pocoyo. Ce qu'il nous faudrait, c'est quelqu'un d'un peu plus grand pour nous aider. Ah oui, mais qui ? S'il vous plaît, les enfants, connaissez-vous quelqu'un d'assez grand qui pourrait nous aider ? Ellie ! Très bonne idée ! Bravo, Ellie. L'œuf a retrouvé sa place, bien au chaud dans son lit. Un grand bravo pour tous nos... J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Non, ne t'inquiète pas, Pocoyo. Approche-toi encore. Il ne faut pas rater ça. Eh oui, c'est un petit ami oiseau. En tout cas, lui, il a l'air d'être plus réveillé que sa maman. Tant mieux. Tu vas avoir un nouvel ami avec qui tu vas pouvoir t'amuser, Pocoyo. Regarde-le qui vole dans tous les sens. Pour jouer avec lui, il va falloir l'attraper avant. Au revoir et à très bientôt. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Tiens, tiens. Sais-tu comment s'appelle ce petit animal, Pocoyo? Tu ne le sais pas? S'il vous plaît, les enfants, pourriez-vous aider Pocoyo? Une chenille! C'est une petite chenille! Petite chenille? Tiens, voilà Ellie. Oh, attention! Heureusement que tu étais là, Pocoyo. J'ai l'impression que notre nouvelle amie a besoin de quelqu'un pour veiller sur elle. Chenille a l'air d'être très intéressée par ce tas de feuilles. Dis donc, elle est petite, mais elle a un gros appétit. Oh, mais comme il est beau ton gâteau, Pato! Oh, mais où est-il passé? La petite chenille adore manger, on dirait. Elle a dévoré tout le gâteau. Et maintenant, Pocoyo, qu'y a-t-il au menu? Une table? Oh.
Ça m'étonnerait que la chenille mange des meubles. Oh là, j'ai parlé trop vite. Elle avait vraiment faim, la pauvre. Elle a l'air de trouver ce livre à son goût. Désolé, Pato et Ellie, mais la nouvelle amie de Pocoyo a l'air d'avoir toujours aussi faim. Cachez vos affaires. Apparemment, la chenille est passée par là. Petite chenille? Tu sais, Pocoyo, la chenille ne mangeait pas sans raison. Elle se préparait à vivre un grand changement. Eh oui. Elle s'est fabriqué un cocon dans lequel elle va se transformer. Cocon? C'est ça, un cocon. C'est une sorte de sac de couchage très moelleux, assez grand pour pouvoir se reposer dedans. Tu vois quelque chose autour de toi qui ressemble à ça? Bravo, Pocoyo. La chenille est là-dedans. Merci, docteur Pato. Quand ta nouvelle amie sortira de son cocon, tu risques d'avoir une surprise. Elle ne ressemblera plus du tout à une chenille. Un peu de patience, ça ne devrait pas durer trop longtemps. Ah ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh, je crois que je vois l'ami de Pocoyo, pas vous? S'il vous plaît, les enfants, pourriez-vous dire à Pocoyo en quoi s'est transformée la petite chenille? En papillon. Un joli papillon. Vous avez raison, la petite chenille est devenue un magnifique papillon jaune et bleu. Tu vois, Pocoyo, je t'avais dit que tu aurais une surprise. Ton ami a beaucoup changé. Ah oui, tu as raison. Elle a peut-être encore faim. La chenille est devenue papillon, mais elle a toujours un gros appétit. Mais le plus important, c'est qu'elle est toujours ton amie. Un grand bravo pour Pocoyo! À très bientôt! Oh.